Bonsoir tout le monde. Good evening to all. Magandang hapon po sa lahat. Je vais te montrer comment faire du canage de tomates. Et je vais faire cette vidéo pour améliorer mes français et aussi je vais signer votre aide. C'est ça pour améliorer mon français. Est-ce que c'est correct? Non. C'est pas correct. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Il y a des tomates, fraises tomates. J'ai une ici des tomates italiennes. Roma tomates italiennes. Et ici, hey, on va couper ça, on va laver, bien sûr, on va laver avant, puis mettre comment ça, Annie? Slice. Mettre une coupe comme ça, puis tout. Mais j'ai fait avant déjà. C'est juste pour monter, c'est quoi l'étape pour faire cette tomate. Canage de tomates. Alors ça c'est de l'eau. L'eau chaude. Et déjà bouillir. Et bouille déjà. Et on met dedans les tomates. Puis à peu près 60 secondes au moins de ça. Je sais pas combien de secondes. Mais moi, j'ai juste regardé qui sont déjà prêtes ou non. Regarde. Je vais... Comment ça? Hey, donnez-moi des... Si il fait déjà comme ça, c'est déjà prêt à enlever des poux. Poux, honey? La peau. Les poux. Les poux des tomates. Ok, la prochaine étape c'est ici, mais dans l'eau froide. Il y a déjà beaucoup. Hein? Puis, montrez. Honey, comment enlever les peaux. Oui, c'est ça, c'est facile à enlever des peaux de tomates. Ben non, c'est difficile. Oui, pour toi, mais pour moi, c'est... Ça veut pas. C'est facile. C'est ça. Regarde, je vais chercher la plus. Je pense... Si. Ça. Essayez-le, ça c'est plus facile, Rémi. Si. Ok. C'est comme des pellicules plastiques des tomates. Ça ressemble de ça. Après ça, ici, Henny, fais ici. Puis tu coupes les tomates qui sont déjà comme ça et mets dans son pot propre. Mets tout. Oui, tabarouette. Puis, ces sont déjà faites avant. J'ai fait avant. Puis, et voilà. Puis, enlève l'air. Fais comme ça. La dernière étape, c'est mettre. Non, pas mettre du vinaigre. C'est sûr que les tomates. Italienne, c'est assez acide, mais moi, j'aimais plus du vinaigre. Ça, c'est vinaigre blanc, un quart à table. Du vinaigre. Ici, c'est du sel. 2 cuillères à thé de sel, on ajoute dedans. Puis,
Le sucre. Donc, mon Dieu, du cuillère à thé du sucre. Non, ça c'est moins. Ben non. On va donner plus de sucre. Ici, comme ça. Et voilà, c'est ça, avant de faire bouillir. C'est ça. C'est tout. C'est tout? Oui. Et continue à les autres. Ils sont beaucoup, hein. Et moi, j'ai déjà fait 3 semaines passées, je pense. 3 semaines, 2 semaines. J'ai déjà fait 12 pots de tomates, canaches de tomates. Et voilà, c'est tout. C'est ça. Avant de faire bouillir les canaches de tomates. C'est ça les étapes qu'on a fait. Qu'on a fait. Et après ça, faut faire bouillir des pots. C'est 30 minutes. Mais dans son loup. Bouillir? Faire bouillir dans l'eau. Ah, faire bouillir dans l'eau dans son 30 minutes. Puis voilà, je vais faire la prochaine étape pour ça. Mais pas ce soir. Peut-être. Pas le, parce que c'est très long à faire pour tout cela. Mais je vais faire pour vous montrer tout le monde. Et c'est tout, bonne soirée. Et je vous que how you say you want, I want them to put a comment. Mettez des commentaires. Ah, je vous demander que vous mettez des commentaires sur mon français. Ça m'aide. Ça m'a donné d'améliorer mon français. C'est tout. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.